Cher employé, à votre avis, pourquoi je vous ai convoqué dans mon bureau? Oh, moi je sais, moi je sais! Allez-y, Georgette, je vous écoute. Eh ben, c'est pour me donner une promotion! Quelle promotion? Alors, pour les employés du mois! Je dois vous dire que ce n'est pas pour ça du tout, désolé. Oh, c'est pour me signer un autographe, pour m'offrir un cadeau pour Noël, me donner des chocolats pour Pâques. Pour une prime, c'est une prime, c'est ça, la prime de Noël, alors qu'on est en janvier. Alors, je vais abréger mes souffrances tout de suite. C'est parce que je voulais vous virer, vous êtes virés. Comment ça, on est virés? On est vos meilleurs employés. On est les seuls employés que vous avez, alors vous allez fermer votre sale plouc. C'est ça, Josette, dis-lui, sale plouc, vous êtes rien sans nous, vous êtes obligé de nous garder, d'accord? Puis nous, vous employés, vous avez tué quelqu'un, vous êtes sur le la police, vous avez tué vous avez mis un syndicaliste, vous avez un homicide, vous êtes suspecté. Attends, attendez, Josette, est-ce qu'on a tué quelqu'un, Josette? Je me rappelle plus. Bah moi non plus, hein, on a tué personne, nous, monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Juste pour vous. Alors, vous fermez votre bec et vous prenez la porte. Vous sortez. Il parle trop fort. Ouais, il parle tellement fort, je comprends pas ce qu'il dit. Alors, j'ai dit, vous prenez vos clics, vous sortez. Bah, maintenant, comment ça on sort? Moi, je veux pas sortir. Écoutez, regardez, on a distribué les colis de toute la liste à tout le monde. Et regardez, il n'y a plus aucun colis tellement on a été efficace. Vous avez distribué des mauvais colis. Personne ne qui voulait. Comment ça on a distribué les mauvais colis? C'est n'importe quoi. C'est eux qui se trompent. C'est les clients qui se trompent, d'accord? On a distribué les bons colis aux bonnes personnes. Vous en êtes sûr? Bah bien sûr que oui, regardez, on a été hyper hyper efficace, hein. Tous les colis ont disparu tellement on a donné tous les colis. J'ai même trouvé un iPhone 6 dans la colis, regardez, il est tellement mignon. Oh, oui, c'est ça, Georgette. Quoi? Ouais. Mais non, elle l'a pas volé. Elle l'a pas volé, elle l'a emprunté, c'est pas la même chose. Ouais, bah c'est presque pareil, on va pas jouer sur les mots. Il y avait marqué Josette sur le colis, ça passe. Ouais, bref. Et je l'ai pas marqué au marqueur juste avant. Vous l'avez marqué sur le marqueur juste avant en plus. Ah bah bravo. Pas du tout. Justement, je n'ai pas fait ça. Il y avait marqué Josette dessus, mais je sais pas qui a écrit Josette dessus, d'accord? Tous les colis qu'ils ont retrouvés dans le lac Malisson, vous pouvez m'expliquer? Ah ouais. Ah, les colis dans le lac Madison. Attendez, je dois... Attendez. Josette, on dit quoi? C'est là, ce colis qui est dans le lac Madison. Ouais, je suis là, là. Vous pouvez m'expliquer? Bah, ça doit sûrement être la personne à qui appartenait le colis qui l'a acheté dans le lac. C'est évident. C'est ça, je vous crois. Ah, bah vous nous croyez, Georgette, c'est parfait. Georgette, descendez mon bureau, s'il vous plaît. Pour toi, des coups de déambulateur. Allez, du meurtre, meurtre. C'est bien, Josette, frappe-le! Frappe-le! Allez, prends ça! Allez, casse-toi! Josette, Josette, c'est chez nous ici, c'est notre terre-terre, d'accord? Ça nous appartient! On le mérite plus que vous! C'est ça, ouais, je vous crois, tiens! Espèce de tocard! Sale plouc! Ah bah voilà, on a récupéré la société, Josette! Ah là là, on a gagné tout l'héritage de la société! Incroyable! Regarde, même que j'ai fait même le droit de faire ça! Et Josette, c'est qui le prochain qui doit être. Qui doit recevoir son colis? On s'en fout, on a de l'argent! Ah! Moi j'ai un colis envoyé à Quinzel! Ah, Quinzel! On va lui rendre visite! Quoi? On va lui rendre visite! Ah, bah oui, on va lui rendre visite, bah ça c'est sûr! Allez, c'est parti, Josette. Oh, j'ai trop la flemme d'aller au taf, là. Mais bon, faut bien gagner de l'argent. Oh, Josette, ça va ou quoi? Tu fais un AVC?
T'es morte? Non, cette fois c'est pas un AVC, c'est un AVE. Dommage, bon. Hein? Ah, on n'est pas passé loin. Tu m'as toujours sur ton testament, Josette, hein, juste au cas où, hein. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Carla. Ah bah non, je t'ai pas, désolée. Bah, va falloir que tu modifies ça, hein. Je suis la personne la plus proche de toi, Josette. Non, c'est faux. Tu voudrais léguer ton argent à qui? Je sais pas, je vais l'enterrer avec moi. Ah, attends, je note. Déterrer Josette quand elle sera morte. Ok. Bon, il y a du boulot aujourd'hui, Josette, ou pas? Parce que bon... Alors... Vient d'arriver, je sais pas trop. Je sais pas lire. Eh ben, au pire, on s'en bat les couilles. On prend la feuille et on distribue les colis un petit peu au hasard. Ça devrait passer. Allez. Attendez, attends. Alors, je vais mettre quelques colis. Normalement, il y a les adresses sur les colis. Ouais, bon, on devrait pouvoir trouver. Je mets 2-3 colis. Comme ça, le patron, il est content. Il voit qu'il y a moins de colis. Il sera heureux. Oui, hop. Prends les lettres. Voilà, j'ai pris les lettres. Attends, je balance ça au hasard à l'arrière. Voilà, ah ouais, c'est quand même mieux quand c'est ouvert, hein. Excuse-moi, j'avais oublié. Hop là. Ok. C'est bon, okay, je pense qu'on peut y aller, hein. Ok. Vas-y, Josette. Ah. Oh! Qu'est-ce que tu fous, Josette? Bah, tu m'as dit de livrer les colis. Ah oui, bah là... J'ai pas envie de mourir, moi, hein, quand même, Josette. Ok. Ah, Josette, tu fais quoi, là? Josette, t'as ton permis? Non, j'ai jamais eu mon permis, mais je sais faire de la moto, donc je pense que c'est pareil. Ah! Ah, Josette! Mais qu'est-ce que tu fous? Josette, y'a une entité maléfique, là. Oh, c'est mon esprit! Oh. Oh. Aïe. Ok, on est arrivé. J'espère que le patron, il a une bonne assurance, hein, quand même. Ah ouais. Oh, c'est à peine cassé. Regardez ça. Oh, le pare-choc. Ah, ça, c'est encore un de ces richoux, là. Ah, attends, oui, je vais prendre un colis. Attends. Ah non, y a plusieurs colis, non? Oh, si on en balance plus, au moins, on aura plus vite terminé, hein. Allez. Attends, j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Ça a l'air bon. Ouais, vas-y. Oh, une gaufre. Mais qui envoie des gaufres? Vas-y, fais péter, mamie. Non, t'en auras pas. Mais je suis pas au régime. Par contre, toi, tu devrais faire un régime. Pour ça ton diabète. Ah. Oh. Ok, c'est bon, on peut lui faire les colis. Elle est où l'entrée de sa baraque, là? Monsieur! Ouais, quoi, ouais. Bonjour, on livre un colis pour Madame Tupperware. Bonjour, au revoir. C'est pas... Déjà, je suis pas madame, oh, je suis monsieur. Joli, hein. Mais c'est sûrement votre femme. Je n'ai pas de femme. Ah bah c'est bête, hein. Mais bon, moi, monsieur, moi, je fais juste mon travail, hein. Ouais, bah non, ça, c'est pas faire son travail, ici, en fait, hein. Bah si, regardez, il y a marqué, un rue de la tromperie, là. C'est Sauf pas ici, là... la rue de la tromperie, là? Sauf que là, on est 16 rue de la tromperie, on sait pas, c'est pas grave, on n'est pas un chiffre près, quand même, hein, dans le... Vous êtes... Vous m'aviez dit qu'on est au 16, il y a le chiffre 1 dessus. Bon, attendez, je rajoute un... Attendez, je... Hop, ça dépend, il y a quoi dedans? Je sais pas, monsieur, sûrement des tupperwares, hein, monsieur tupperware. Ah bah alors, merde, ça m'intéresse. Regardez, j'ai rajouté un 6. Ça fait qu'on est bien au 16 rue de la Tromperie, maintenant. Vous êtes complètement bête, mais c'est pas grave. Donnez-moi le colis qu'on en finisse. Ouais, je le pose, là. Ah, vous pouvez me mettre une petite signature, là? Ouais. Ah, super. Hop, c'est bon. Merci bien, madame tupperware. Monsieur. Eh, barrez-vous, madame.
À quoi? Non. Josette. Non, qu'est-ce que tu fous, non, Josette? Je sais pas, il faisait chaud. Elle est complètement tarée. Hein. Elle est complètement tarée, en fait. Allez, barrez-vous. Bah oui, elle est totalement sénile, monsieur. Non, mais barrez-vous. Vous ne pouvez pas l'énerver. Elle peut devenir totalement folle si vous l'énervez. Ouais, mais barrez-vous, ou quoi? Non, tu te verras la première. Non. J'en ai tué les mémaries. Ah, c'est embêtant, ça. Je m'en fous. Assure-toi, mon petit gars. Baisse cette arme. Oh. Mais... Merde. Mais qu'avez-vous fait, Josette? Merde. Mais je croyais que... Ah. Oh lol. Ah, oh, quel dommage. Mais Josette. Allez, vite, on se casse. Mais Josette. Il avait signé le papier, il avait récupéré le colis, Josette. Eh bah tant mieux. Oh. Ah non, c'est mais pas cette adresse là. À l'hôpital. Ah. Ah. Allez vite. Mais... Taré. Ok, Josette. Cette fois-ci, on essaye de ne pas tuer le client, d'accord? Pourquoi? Mais parce que j'ai pas envie d'être in the sauce, hein. Peut-être que toi, Josette, ta vie, elle est finie, hein. T'as 97 000 ans, moi j'ai que 20 ans, d'accord? J'ai toute ma vie devant moi, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas envie de finir en prison. La prison, c'est quoi ça? La prison, c'est dur, mais la sortie, c'est sûr, d'accord? C'est quoi ça? T'as regardé Prison Break ou quoi? Je sais pas, mais ça faisait très gang-gang de le dire, donc voilà. Oh, ta gueule, c'est le colis. On a failli se faire percuter. Attends, je vais récupérer des trucs dans le camion pour faire genre on fait notre travail. Allô? Allô, y'a quelqu'un? Mais c'est pas un téléphone, c'est une caravane, Josette. Faut pas lui dire allô, ça sert à rien. En fait, devant ma porte. Bonjour, monsieur Trouduc. C'est une aide pour vous. S'il vous plaît. Tenez votre lettre. Est-ce que vous pouvez faire une petite signature ici, monsieur Trouduc? C'est madame. Oui, madame, si vous voulez, madame. Merci. C'est parfait. C'est une lettre recommandée du tribunal de la justice. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai vous êtes, dit vous êtes une reprise... Mais Josette. Oh. Et quoi? Mais Josette, ma... qu'est-ce que tu fais? C'est peut-être ma maison. Mais pourquoi tout le monde a un flingue? Tout le monde a un flingue dans cette rue. C'est incroyable. Ah ouais, t'inquiète pas. Dégagez de ma maison, allez. Vite, on se barre. Ah là là. Mais je rêve. En même temps, Josette, si elle a reçu une lettre du tribunal, c'est sûrement une délinquante. Elle doit être dans un gang. C'est normal qu'elle ait une arme. Oh, j'ai failli mourir. Bon, cela dit, au moins, l'avant du camion sera propre. C'est bien. On économise sur le car wash. Oui, il y a des canards. Je crois que le carton, il est trempé. Ah. Ah bah en fait, c'est vraiment la place de parking. Regarde. C'est quoi ma voiture en fait? Attends, quoi? C'était votre voiture? Eh bah, c'était devant chez moi, c'était ma voiture en fait. Bah, vous vous êtes garé comme ça, non? Genre, c'est pas une place de parking? Ma voiture était sur la route. Vous avez pensé dedans, je l'ai vu de me proposer. Alors, attendez, attendez, il y a méprise. En fait, c'est la voiture rouge. Là, vous voyez derrière, c'est votre voisin là qui est rentré dans votre voiture. On l'a vu, hein, Josette? On est témoin. Mais. J'ai un tir comment il est écrasé, je veux pas me dire c'est lui. Sa voiture, elle est en train de faire du breakdance, regardez. Elle fait du hip-hop. Oh, ça y est, c'est bon. Bon, monsieur, il faut vraiment que vous fassiez attention à votre voisin juste derrière, hein, le monsieur Tupperware, là, parce que... Ah. C'est qui, cette folle? C'est votre voisine. Je vous avais dit que c'est vos voisins. C'est vos voisins, les problèmes. Dégage! Va là-bas, toi! Sors de chez moi! Il dit sort!
Voilà, ce quartier, c'est bien. C'est le quartier des Bloods ici. C'est un gang. Monsieur, vous faites partie d'un gang aussi? Va. Allez, file. Oh, purée, pomme de terre. J'ai l'impression qu'il part dans l'eau. C'est quoi ce truc de gueule dans les mains, là, madame? Pardon? Dans les mains, qu'est-ce que c'est? Alors, le colis, je sais pas trop, mais il a l'air trempé et ça dégouline maintenant. Je sais pas, il y a un truc qui dégouline en dessous du carton. Vous avez commandé quoi, monsieur? Eh ben, je sais pas. Moi, j'ai rien commandé. Eh ben, c'est pas grave. C'est... Je vous pose le colis ici, vous vous démerdez avec. En plus, je sais pas, il y a un truc qui dégouline. Regardez, ça dégouline partout. Il y a un truc vert qui dégouline en dessous du carton. Parce que vous avez commandé, on dirait du slime. Bah, c'est peut-être possible, je sais pas. Ah, c'est du slime, monsieur. Ok. Est-ce que vous pouvez signer ici, là? Oui, attendez, je prends votre truc, là. Tenez, cassez-vous, là. Et merci, Y'a pas de quoi. Y'a jamais, hein. Josette. Faites gaffe. Faut vite qu'on s'enfuit d'ici, Josette. Prends ma caisse, toi, là. Parce que sinon, on va mourir. Il y a une guerre de gang, regarde, Josette. On va se cacher dans la piscine. Ouais, je crois, ouais. Je sais pas si c'est la meilleure des... dans la piscine. Quelle piscine? Oh. Celle-là. On est à la piscine, là. Ouais, Josette, oui, on est tout à fait à la piscine. T'as tout à fait raison, Josette. T'as pris tes médicaments ce matin? Lesquels? Bah, tes médicaments, parce que t'es une vieille folle. Moi, vieille? Enfin, sûrement pas. Si tu dis que je suis vieille, alors je me casse, hein. Honnêtement. Mais non, t'es jeune, Josette. T'es jeune, t'es dans la fleur de l'âge. Tu n'as absolument pas les cheveux gris. Oh, ça me rappelle mon vieux Bernard. Oh. Regarde, avec tes magnifiques cheveux blonds. Pas un seul cheveu gris. Oh, merci. Et puis, regardez-moi ce corps, oh mon Dieu. Svelte. Impression que t'as fait du fitness toute ta vie, Josette. Mais je suis fière de ça. Attends, continue, Josette, continue. Ouais, allez, ouais. Voilà, magnifique twerk. Ça va finir sur un site pas très légal, voilà. Hop, parfait. Bon, Josette, il faut qu'on continue les colis, là. Comment ça, les colis? On va au lac Madison, là, et puis on balance les colis dans la mer, d'accord? Ah, mais moi, je sais pour pas finir où le travail. Vas-y. On y va, t'inquiète. On va tout foutre dans le lac Madison. Le lac Madison. Hmm. Bah, je crois qu'il marche plus le camion. Je sais pas comment ça marche, mais écoute, on a qu'à voler une voiture. Mais faut qu'on se débarrasse des colis. Tu sais faire bouger la voiture? Ouais, oui, ok. Marche. Ok, marche, t'inquiète. Non, ouais, non, oh mon Dieu. Va tout droit. Non, c'était de l'autre côté. Va gauche. Voilà, parfait. Continue. T'inquiète, je vais t'emmener gauche. Et là-haut, c'est tout droit, là. Tu vois, il y a l'eau de la mer. Enfin, c'est pas un mer, vu. C'est... Oh. Ok. Je pense que si on met 2-3 coups de marqueur sur le camion, il y a peut-être moyen que bah, le patron il remarque pas qu'elle est cassée, d'accord? À droite, là. Voilà, tout droit, on va tout foutre dans l'eau. Ah, je vois de l'eau. Je vois l'eau. C'est... De ah l'eau. Ouais, je vois du feu et de l'eau en même temps. De l'eau. De l'eau. Oh. Oh, parfait. Ça fait si longtemps que j'ai pas pris de bain. Allez, on va tout foutre dans l'eau, comme ça, on a fini le travail et on peut rentrer à la maison. C'est magnifique, ça, non? Ouais, je pense que c'est plutôt mignon.